fatigue. Où tu as sorti tous ces cadeaux-là? Oh, laisse, my sister, laisse, je vais te raconter. Figure-toi, ma chérie, aujourd'hui, j'étais à la maison, je regardais la télévision et mon téléphone a sonné. Il y a un monsieur qui m'a appelé et il voulait me voir. Je ne le connais pas, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, je suis allée. Et figure-toi, le monsieur, quand il m'a vu, il était choqué, c'est comme s'il avait vu un fantôme. Mais après, le courant est passé, on a parlé et tout. Donc voilà, après, il m'a offert tout ce cadeau. Me dis pas. Et tu sais quoi? Il ne m'a même pas demandé de coucher avec lui. Incroyable. Ni de l'embrasser, quoi que ce soit. Rien du tout. Assiste, c'est un cadeau du ciel. Ah non, non, non. Quel est cet homme-là? C'est une bénédiction. Et tu ne sais pas tout ce qu'il m'a acheté. Ça coûte cher. Il regarde même pas quand il dépense. Regarde le sac qu'il m'a acheté. J'adore. Oh, amazing. Et la couleur, non mais c'est mon gros nom. Il s'appelle comment ce type? Mais, Weba il s'appelle. Attends, je vais te montrer sa photo. Attends, il est trop calme, regarde. Regarde. Oh, j'adore. Je crois que c'est l'homme de ma vie. Non, 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 non. Non, je suis coincée dessus, non. Weba? Non mais là, c'est bon. Là, je suis calée dessus, non. Weba. Bonsoir. Bonsoir. C'est Eliane? Non, je pense que vous faites erreur là. Vous attendez le bus? Non du tout, j'attends quelqu'un. À l'arrêt bus? C'est un point de repère. Ah, un point de repère. Mmh. Tu te repères ici alors? On va dire ça aussi. Vous voulez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Tu sais que on t'a dit que tu es belle, tu es jolie. C'est flatteur, merci. Au fait, tu sais, ici en Europe, le stress, ça fatigue beaucoup les gens et puis à la maison, toujours seul. Il faut de temps en temps causer avec quelqu'un un peu pour se déstresser, quoi. Vous voulez qu'on échange de numéro, c'est ça? De numéro. Dites-moi, que faites-vous comme activité ici en Europe? Je veux dire, comme travail, quoi. Dans tous les cas, je m'occupe de temps en temps. Ah, d'accord. Si c'est en Europe, même tu ne travailles pas, tu as droit. Ah, je veux dire, vous voulez dire plutôt que vous êtes chômeur ou vous profitez des aides sociaux? Non, indépendant. Mon numéro. Ouais. Ok, allez-y. 0465 76 76 00 20. J'aime quelle jolie, non? Vous pouvez mettre Sarah. Sarah. Enchantée, Sarah. Ravi, monsieur. C'est l'Europe, hein? Il m'a l'air fou, ce monsieur. Eh ben, dis donc, l'Europe est si difficile que ça? Les gens, ils perdent la tête d'un bout à l'autre, vraiment. Oh, ben, c'est lui qui a acheté tout ça? C'est lui! Et il dépense sans regarder. Oh, mon Dieu, mon Weba. Mon Dieu. Je sais même pas comment il a eu mon numéro, sûrement que c'est Dieu, là. Ah, mon Dieu. La grâce divine, on va dire. Ah oui, tu peux pas savoir. Et il y a une veste que j'aime beaucoup. Waouh, la veste. Non, mais c'est canon, c'est top. Regarde, ma sister, regarde la veste. Oh, j'adore, j'hallucine, là. Mon Dieu. Tu es allée au New Look? Ouais, on a été partout. Partout où je voulais. Ouais, mais je te dis, il dépense sans compter. Après, c'est moi qui lui ai dit, mais monsieur, écoutez, arrêtez un peu. Mais il ne voulait pas arrêter. Mais sinon, si ça ne dépendait que de lui, il allait m'acheter une voiture. Hein. Oh, franchement, il m'a dit que je suis belle dans une Jaguar. La prochaine fois, peut-être. Oh, my God! Je vais aller faire pipi, tu vas me raconter la suite. Oh, oh non! Oh. Tu as bien dit Weba. Oui. C'est lui sur la photo. Oui, oui. Regarde, il a un beau sourire. Et son regard, c'est top. Tu vas me raconter ça. Oh mon Dieu, mon cadeau du ciel, chat. Oh, oui. Oh, tu sens tout. Hey, thank you.
Quel numéro ça? Allô? Allô? Oui, le déjanté? Oui. C'est Sarah, tu te souviens de moi? Sarah? Mais quelle Sarah? On s'était vu la semaine dernière, là, à l'arrêt du bus, là. Oui, la ligne 46. Ah, à l'arrêt bus? La fille en rouge? Oui, la jeune demoiselle en rouge, voilà, c'est exactement moi. je voulais juste te dire que, en fait, je me suis trompée de numéro. Au lieu de te donner mon numéro, je t'ai donné celui de ma sœur aînée. Tu m'as donné plutôt le numéro de ta grande sœur? Oui, ça te dit qu'on se voit même demain matin ou même ce soir? Au fait, calme-toi. Ta grande sœur là, non? J'étais avec elle cet après-midi. Et tu sais quoi? C'est mon genre de femme. J'ai dit, mais pourquoi même je voulais? Tu sais, dans la vie là, non? Dieu passe par les gens pour bénir les gens. Donc tu es mon pont de bénédiction. Elle est belle que toi, 100 fois. Elle a toutes les formes que j'aime. Les formes généreuses. Généreuses. Les données. Les données qu'il faut, quoi. Tu sais, je peux tout te donner. Tout l'amour dont tu as besoin, la tendresse. Ma grande soeur, elle a déjà un mec. Hein. Non, même pas un mec, un fiancé. Elle a un fiancé. Un fiancé. Oh, c'est moi son fiancé. Tu sais quoi? Désormais, jusqu'à dorénavant, appelle-moi mon beau. Que je t'appelle mon beau-frère? Mon beau-frère. Et puis, mon problème, c'est quoi dedans? Ah, tu ne sais pas, hein? Lundi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mardi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mercredi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Tous les jours pendant l'année. Dedans. Tu étais dedans.